Pour mon sixième et dernier voyage de l'année, j'ai décidé de partir à Chypre avec mes sœurs. Et après un atterrissage en douceur et avoir fait 2-3 petits courses, puis planifié notre voyage, on a bien profité. C'est ce manège-là, là. I love my boyfriend. Ouh là là. Jacoucou. Jacoucou. C'est la maman des mamans, c'est quoi? C'est un roi, c'est quoi? Ok, celle-là. Gagné. Merci Seigneur. Coupe ça, tu veux pas. MDR. On a booké un massage pour demain et on va faire du buggy. Bon, aujourd'hui c'est le premier jour où on fait vraiment quelque chose, du coup on est sorti pour se balader un peu. On s'est dit qu'on allait aller à la mer et avant ça on a booké un massage pour demain. C'est le massage, le meilleur massage que j'avais fait de ma vie. Je sais pas si vous vous rappelez le vlog de l'année dernière à Chypre. Parce que du coup dans Chypre, ouais. Avec la team. Team 5C. Oula, comme ça, Team 5C. C'était la team qu'on avait au collège avec mes potes. C'est vrai, mais. Alors, j'ai mis un haut bandeau avec un mandarin et puis les claquettes, je crois que c'est Berry Chic à la préf. Ah oui, d'accord. Alors, moi, Bob qui vient de chez Shein. Ça, c'est Bershka. Shein. Chelsea. Alors moi un petit pantalon, un lin de chez H&M, un bandeau chain, une petite bikini, des claquettes chain et les imachadés. Et toi? C'est ton truc hein. Et Lancel, Sephora, récupère.fr. Ok. Et après la casquette et chain. Chain. Voilà. Alors, moi chain. Et Chelsea ça vient d'où? Chain. Ah ok. Et Zara les claquettes quand même. Quand même, MDR. Là, je les ai emmenés un peu dans mon petit spot et tout. Je fais trop la connaisseuse musquine alors que je me quitte seule fois. Mais on va essayer de trouver une petite mer belle, on va se balader, on va essayer de trouver des petits trucs à grignoter. Après, on va se poser sur la plage et on va bronzer. N'empêche que j'ai déjà bronzé alors que ça fait même pas 20 minutes. On est à la playa. Trop bien, je suis trop contente. On a pu trouver une petite plage artificielle parce que l'année dernière elle était pas là en fait. Donc, ils ont dû construire ça en 2-2. L'eau elle est bonne, il fait beau et on va se baigner, après on va bronzer et après on va manger. Sorti de la mer. Là, on va essayer d'aller manger. On a tellement faim et c'est tellement bon. Oh my god. Vous voulez manger quoi les filles? Ça veut dire qu'elles ont vraiment la dalle. Je vais vous montrer où c'est. C'est tout là-bas là. C'est tout là-bas là-bas là-bas. Donc on a pris le grec là, griot grec, avec le vrai pain pita et tout, miam. Shani et sa mère, du coup, elles ont pris sandwich. Ouais, ça a l'air trop bon. Bon appétit. Hein. Ah mais ça, en fait, je crois que ça vient vraiment de Chypre l'œil. Oui, je pense aussi, parce que dans tous les magasins, il y a pas. Coucou guys, on a acheté des souvenirs, je vais vous faire un petit haul. Je vais vous poser un petit peu là. Alors déjà, pour mon petit frère, j'ai pris un Uno Marvel, il ne coûtait que 3,50€. Putain, c'est vraiment pas cher, genre. Trop bien. Ensuite, pour la maman de mon chéri, j'ai pris ça. Je le trouve trop beau. Je pense que c'est un truc que tu peux mettre dans le sac, tu peux mettre plein de trucs dedans. Ensuite, pour mon chéri, j'ai pris des manières. J'ai pris lui pour lui parce que je le trouve simple. Et j'ai pris lui pour moi. Et voilà. Après, j'ai pris un petit bracelet. Je sais pas encore à qui le donner. Sachant que j'étais partie à Lisbonne cet été aussi.
J'ai encore un sac rempli de souvenirs. Donc bon, j'essaie pas trop en acheter. Des fois j'en achète trop, je sais même pas à qui j'achète. Là on est posé voir la mer. On est un peu KO, je mens pas. Il est 18h, ici le soleil se couche super tôt. Du coup on va essayer de se balader un peu. Après on va rentrer. On va faire la sieste. On va dans la piscine. Et après on dort parce que demain on va faire du buggy. J'ai trop trop hâte, ça va être vraiment trop bien. Regardez la vue. Ah non, pas celle-là. Celle-là. T'as acheté. J'ai acheté un truc pour mes copines parce que je suis la meilleure. Et un truc pour mon cumé. On va connaître. Papa il va voir. Non, maman regarde pas papa. Coupe ça, tu veux pas. MDR. La température est parfaite les gars. Ouais. Là on va aller manger des glaces. Non, thank you. On va aller manger des glaces. C'est là? Non, c'était pas là. Ah ouais? C'était un magasin rose, mm-hmm. Trop beau. Tu payes moi? Ah oui, ok. Guys, Jodia c'est Beggy. Aujourd'hui on va faire du buggy à 4. On vous emmène avec nous, c'est parti. Jodia c'est Beggy. Vas-y, petite outfit du jour. Alors, où du Brésil? Il y a écrit qui? Je sais pas. Ferrero Rafinha. Merci à nous. Oula. Mal à l'aise. Plus de chaîne, coupe by L. Chaussettes. Oui, non, mais c'est quoi ça? C'est des chaussettes. T-shirt I love my boyfriend. Oulala, tu es mort de moi. Un t-shirt Shane, en dessous j'ai mon maillot de bain Shane aussi. Ça, ah, moi aussi j'ai un maillot de bain jaune. Les lunettes Céline, 3 fois Céline en fait. Oula. Tu connais pas Gazo 3 fois Céline? Mais arrête de mal à l'aise en fait. Aïe, connard. La meuf qui s'est pété un pied hier, donc je vais pas mettre les images parce que vraiment c'est des... Je pense que YouTube va me bannir si je fais ça. Tellement que c'était sanglant. Elle a mis un haut de Brésil aussi, avec des chaussures Nike. Et la dernière, tout noir, H&M, Shane et Nike. Donc voilà, on y va là. C'est parti. C'est quoi de cette première excursion? C'est bien beau. Ouais, j'aime bien la mer et tout, il y a des vagues. J'ai une des argumentations, c'est toujours bancale. Le pire quand tu meurs dans la mer, c'est que le sel il te ronge la peau. Je pense aussi. Non, mais même mourir de faim. Non, mais genre l'effroi de l'espace, vous vous rendez pas compte. Ouais, mais j'en ai un à foutre, je meurs vite. Moi j'explose et puis c'est bon, comme une bombe. Comme une bombe. Là, j'ai une 40 ans avant qu'on vienne me chercher et tout, ça va. Je suis mort. Du coup, attendez, on parlait de quoi les filles avant ça? Bref, dites-nous si vous préférez mourir dans la mer ou dans l'espace. Cara, Ryanair. Ah oui, Ryanair. Là, on s'était arrêté à l'église, franchement, c'était trop beau. On a mangé un petit peu, on prend des forces. Et là, on est passé partout. Next stop, guys, on est à Adonis Falls. Donc vous allez voir, c'est des cascades et tout, trop beau, vraiment. Magnifique. Je crois que c'est mon endroit préféré ici. J'adore ça. Je pense que c'est trop, je pense. Elle, la Aphrodite, Aphrodite. Just the father of God and people. Ah bon? C'est le mien et tout. C'est la maman des mamans, c'est quoi? C'est à moi, c'est quoi? On arrive à la deuxième cascade, guys. C'est tellement beau. C'est magnifique. Thank you.
a fini le buggy, donc comme vous avez vu, on a mangé et tout. Et là, du coup, on se dirige vers le spa. Donc, on va se faire masser. On passe deux par deux. Moi, je passe la dernière, du coup, vu qu'on est cinq. Une heure de massage, dos et cou. Bref, j'ai vraiment trop trop hâte. Ça va être trop bien. Je vais vous montrer un peu le spa. On a choisi le spa où j'étais dans l'hôtel l'année dernière. Oh my god. Hey, il n'y a pas de passage piéton dans cette ville. C'est une dinguerie. Mais quand je vous dis, il n'y en a pas, c'est genre, je dois traverser en plein milieu de la route les voitures. Je vais vous montrer comment elles roulent archi vite. Genre c'est des vraies routes comme ça quoi. Donc bon, c'est un peu flippant hein. Guys, ça fait littéralement 2 heures qu'on profite du spa avec la piscine, le hammam, la fontaine à glace, le sauna, tout. C'est incroyable, je vais vous montrer à quel point c'est beau. Du coup moi je passe la dernière, donc là dans 10 minutes je pense que j'allais me faire masser pendant une heure. Et franchement, c'est tellement relaxant, c'est trop relaxant. Donc là, on a l'immense piscine, guys. Ensuite, dès qu'on marche, donc là en arrière, on a la porte. Ici, on a le hammam. Immense. Incroyable. Ouh là là. Ici, on a le sauna. Incroyable. En fait, ça sent le charbon, le cramé, genre. Oui, c'est le bois. Donc ici, on a la fontaine à glace, du coup, trop bien. On s'en met sur le corps après le hammam. Là, on a d'autres douches encore. Et ici, on a un seau d'eau froide. Bon, désolé, il y a grave de la buée. Comment ? Le massage, du coup, c'était comment ? Franchement, c'était hyper relaxant. Moi, on m'a massé tout le corps. À un moment, elle l'a plié, mais ça faisait tellement du bien. En fait, on sentait les nœuds se défaire. C'est vraiment impressionnant. Ouais, c'était. Même moi, je ne sens plus ma condamnée, l'épaule droite là. Et par contre, on n'a pas fait les pieds, on a fait les pieds. Moi, elle, en fait, elle a retiré un peu la BC. Pareil. Ouais, pareil. Après, il y a très grand ça. Une note sur 10, les filles ? À moi, 10. À faire ou pas à faire ? En fait, c'est à faire dans sa vie. Mais après, il faut mettre dans un bain chaud. C'est sûr que c'est un bain chaud. Bah, après, à maman. Moi, c'était après direct. Ouais. Détendu, mon Dieu. Merci Seigneur. Quelle grâce, vraiment. Ah là là, c'est tellement bien. Ah là, quelle grâce. Et là, je me sens trop bien. Guys, look at us. Pourquoi tu parles anglais? Du coup, la journée spa, c'est fini. Là, on va aller boire un verre sur un rooftop trop trop beau. J'ai trop hâte, ça va être trop trop bien. On s'est fait toutes belles, on s'est maquillées aussi, quoi. On est trop trop belles. Je le paye sur vous. En plus, je trouve qu'il fait bon dehors. Il fait pas trop chaud, vraiment, c'est trop bien. Petit outfit, make-up mage ADN, robe bag Kiko, lol. Shani, robe Shane, j'adore. Make-up by Shani, Chelsea. C'est moi qui l'ai coiffé avec de la crème, s'il vous plaît. Avec de la crème, s'il vous plaît. Et Tata, petit make-up by me. Le massage. Ouais, tu vas jamais t'en remettre, de rien. Ah. Là, on va aller dans un rooftop pour voir si on peut boire un verre. Mais elles ont faim, en fait. Mais elles n'ont pas compris le but d'un rooftop. Elles sont jeunes, c'est pas grave, je les pardonne. Là, on a vu sur la mer, coucher de soleil et tout, c'est trop, 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 trop beau. Je vais vous montrer, c'est magnifique. Tomate poulet, c'est bon. Donc, tu prends le poids ou le burger? Il y a un burger au champignon.
choquée, wesh. De retour à la casa, on est passé dans un petit shop et j'ai trouvé ça. Donc bon, on va tester, je pense, des petits trucs, hein, parce qu'il y a tellement de boissons, genre. C'est insensé. Aujourd'hui c'est parc aquatique. Ça va être trop bien. Bon, ce sera pas à la hauteur de Siam Park à Tenerife, mais ça va être bien, je pense. On est arrivé à l'entrée, du coup il y a personne encore dans le parc. Vous voulez faire quoi? On cherche s'il y a des casiers pour mettre nos sacs? Ah bah oui. Premièrement. Ok, c'est regarde après la carte et tout. Il y a plein de trucs, franchement. Guys, là on va faire du rafting à plusieurs. C'est ce manège là là. Et on va prendre les grosses bouées comme ça. On va goûter ça, c'est ce que j'ai acheté hier. Et on a tout pris des kebabs avec. Fin de la journée au parc aquatique. Franchement le parc aquatique est pas ouf. Je vais pas vous mentir, on a tout fait ce matin. Cet après-midi on a fait que bronzer et on a fait un manège. Non. Là j'ai appelé le taxi pour qu'on rentre. On a pris McDo, du coup pour 7€ j'ai eu 9 nuggets, des frites, 4 sauces et un milkshake à la vanille. Trop bien qu'on puisse prendre des milkshakes. Après je ne sais combien d'heures dans les bus à faire le parcours du combattant, on est enfin arrivé à l'Arnaca, dans notre nouvelle Airbnb. Je vais vous montrer tout ça, c'est trop beau, il est trop trop beau. On arrive ici, l'entrée guys, avec des grands miroirs, franchement je kiffe. Il y a le wifi ici les filles d'ailleurs. Le salon avec un grand canapé trop beau. La télé, ça c'est une fausse cheminée. Salle à manger, I love it. La cuisine. Et la cuisine est immense. Un petit truc pour travailler et tout. Non, franchement, ils ont fait les choses en grand. C'est trop beau. Et c'est pas fini. Ensuite, quand on tourne ici directement, on a les chambres. Donc la première, la deuxième et la salle de bain qui est super belle. Vous voyez, voilà. Franchement, je suis trop contente. Il est super. On n'a rien à redire contrairement au premier qui était assez sale. Donc voilà, là on va se préparer et on va aller manger parce qu'on a tellement faim. On s'est préparé pour aller manger. Outfit of the night du coup. Une petite robe au poli avec des claquettes Shein. Les claquettes sont un peu sales. Petit outfit. Un ensemble Shein basique. Ok. C'est pas Zara, mais pas des filles. Ah, tu dis Shein? Oh, moi je dis Shein, non. Ok. Alors moi, une robe Zara qui n'est pas toi. Oui, qui est à moi. Oula! Oh putain, elle fait chier celle-là! Qu'est-ce que tu veux? J'ai l'impression qu'on est dans les favelas. Tu n'as pas de dollars. On est en train de traverser les favelas, les gars. Il n'y a que des gens chelous. Les maisons sont cassées, abandonnées. J'aime pas. Bah, du coup, on arrive à l'Arnaca, mais j'aime pas du tout cette partie de l'île. Je la trouve trop sale, trop ghetto. Même si notre appartement, je vais pas vous mentir, il est incroyable. Mais tu vas où? Ah, c'est tout droit. Je pense comme si elle connaissait la route. Deux, ouais. Grave ghetto. Il y a des maisons abandonnées tous les 4 matins. Genre vraiment, c'est sale. Non, mais dans le quartier, tata, le quartier il est pourri. Regardez, il n'y a que des maisons abandonnées. Thank you. On va goûter les. Je suis pas fan. Donne le goût de. Comment ça s'appelle? C'est à l'ail. Alors, ça c'est une limonade spéciale d'ici. Du coup, je vais goûter. Shadé, t'as aimé? Ouais, c'est grave bon. C'est sucré? Bah, c'est une limonade, hein, c'est bon, c'est vrai. Ah, c'est trop bon, mais même. T'as pas goûté? C'est hyper bon. Ah, ouais, j'aime trop. Ah, c'est trop bon. Ça, on a testé, c'est des piments, mais qui piquent pas et c'est pas ouf. Enfin, on aime pas, mais c'est bon. Oui. Oui, c'est bon, mais c'est pas, on n'aime pas. C'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude. Cette sauce, elle est trop bonne. Ouais, ouais, la sauce blanche, maman. Hey, on va les finir, Chalet. J'avoue que c'est un peu sauce, va, ton. C'est frais, quand même. On a bien mangé, on était parti jouer à la plage au volet. Et Chad et moi, on a fait équipe et on a
gagné. Les haters ou losers. On a gagné, vous pensez que j'avais gagné? On a gagné, Elle a juste la balle dans la mer, après Diane a gagné. Guys, on a allumé le jacoucou. Le jacoucou. On va jouer dans le jacoucou, ça va être trop bien. Par contre, l'eau elle est froide, meuf. Tout à l'heure, elle était chaude quand j'ai touché. C'est chaud, hein. On a réussi à l'aller. Hello guys! Aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour et c'est journée playa. Donc là on va aller juste bruncher un peu, après on va aller à la plage pour bronzer, aller à la mer, profiter de l'eau parce qu'il fait vraiment super beau. Le fait est dégagé, il fait chaud, ça tape bien. On va profiter de ces journées détente. Les filles, ça a l'air trop bon votre truc. Hein. Ça, c'est quoi, c'est du beurre? Ouais, je crois que c'est du beurre avec du sirop d'érable. Tu sais, j'aime bien. Moi, j'ai pris un sandwich au poulet. Il a l'air vraiment bon. Comment suis-je censé manger ça quand le sandwich fait la moitié de ma tête? Ah. On est parti prendre des glaces pour 80 centimes les gars. Au McDo. Au McDo. Et franchement elles sont pas mal. J'ai cherché sur ChatGPT et il m'a dit que les pâtisseries d'ici ça s'appelait les Touloumandes, je crois. Du coup, j'ai essayé de trouver un restaurant où ils en vendent. C'est des beignets, ça a l'air trop bon, vous allez voir. Regardez, c'est ça. Et si on mettait un peu de poivre? Ta gueule, toi. Non, mais elle fait exprès pour nous embêter. T'as pensé quoi des beignets? C'était pas très bon. Moi, j'ai pas aimé, mais bon. Après, c'est leur spécialité, donc je peux pas juger. Chani? Et Shadé? Ouais, j'ai pas aimé. Moi j'ai pas trouvé ça dégueulasse, mais c'est pas ouf. Voilà. Genius. Et c'est ainsi que s'est terminé notre voyage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour du contenu un peu différent de l'année dernière. Merci beaucoup mes chats. Bisous.